Salut les filles, donc aujourd'hui une petite session prenez soin de vos cheveux au naturel. Donc je vais parler donc tout ce qui se situe au niveau du naturel et des cheveux. Donc sachant que certains d'entre vous ne trouveront pas quel est l'intérêt de passer au naturel. Donc voilà, donc je vais vous en parler parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément pourquoi, donc le pourquoi du comment. Donc je pars du principe où quand on passe au naturel, c'est vraiment qu'on a envie de voir ses cheveux tels qu'ils sont, donc au naturel. Étant donné que tout ce que vous utilisez comme produit, donc ils viennent du commerce, donc tout ce qui est shampoing, masque, après shampoing, donc que ce soit Schwarzkopf, L'Oréal et compagnie. Donc sachez qu'en général contiennent des silicones, donc des sulfates, donc qui sont très agressifs pour vos cheveux. Et en plus de ça, si vous faites des colorations, des décolorations, des brushings, des lissages, etc. Vous dénaturez votre cheveu et donc au final vous ne savez plus à quoi il ressemble généralement et réellement au naturel. Donc sachez que je me suis engagée dans cette quête du naturel parce que justement je ne savais plus à quoi mes cheveux ressemblaient. J'avais tellement fait de coloration, de permanente, bah même de décoloration que au final je savais même plus quelle couleur ils avaient de base. Comment bah, ça se présentait, donc est-ce qu'ils étaient ondulés, bouclés, lisses, est-ce qu'ils formaient des vagues, je ne savais plus du tout. Donc j'ai vraiment voulu les voir tels qu'ils sont au naturel, donc tout d'abord me débarrasser donc des silicones donc, qui imperméabilisent le cheveu et qui mettent une pellicule autour de celui-ci qui font que les cheveux n'ont plus l'air fourchus, n'ont plus l'air cassés, n'ont plus l'air abîmés alors qu'ils le sont encore. Sachez donc que les produits naturels donc, que vous allez utiliser ou quand vous allez faire votre transition. Donc sachez que tout d'abord la transition est difficile parce que les cheveux doivent se débarrasser des silicones et que ce n'est pas une chose facile, surtout quand vous en mettez des couches et des couches. Donc ça va prendre plus ou moins du temps et vous allez trouver vos cheveux dégueux, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà ce sujet. Donc sachez que le naturel est totalement différent de ce que vous pouvez entendre ou constater par vous-même. C'est vraiment une expérience à faire qui est très enrichissante. Vous en apprenez tellement que c'est incroyable tout ce qu'on à côté de tout ce qu'on peut passer quand on s'y intéresse pas. Et vraiment, je trouve que c'est une expérience très amusante, sachant qu'on peut faire ses produits soi-même. On sait exactement ce qu'on met sur nos cheveux. Vraiment, on les voit tels qu'ils sont. Vraiment, c'est incroyable. Donc déjà, vous allez savoir quand est-ce que vous allez réellement avoir des fourches, parce que vous allez utiliser des produits qui à la base n'abîment pas vos cheveux, donc qui sont là pour les soigner. Donc dès que vous allez voir apparaître des fourches, donc ce sera des fourches qui arriveront de façon naturelle et pas provoquées artificiellement ou autre. Donc ça va vraiment être provoqué donc naturellement et donc pas par des brushings répétés, du lisseur, du fer à boucler, du lissage et compagnie. Donc vraiment déjà c'est un bon point. Parce que vos cheveux s'abîment nettement moins vite. Donc voilà déjà un très très bon point à ce sujet. Vous pouvez trouver du henné donc qui entretiendra très bien votre couleur naturelle. Et sachez que si vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours la changer. Je vois, moi, je reste plus ou moins donc sur ma couleur naturelle, mais tout en changeant les reflets et les nuances. Donc ce qui fait que je ne me lasse jamais de la couleur actuelle que j'ai. Donc je reste vraiment sur la nature, sur la nature. Sur la couleur de mes cheveux naturels tout en la changeant, en donnant d'autres nuances et reflets. Donc vraiment déjà c'est un très gros point positif. Je trouve aussi également que le fait de faire ces produits soi-même, donc faire ces mélanges, donc faire des mélanges nourrissants, hydratants ou mélanges nourrissants et hydratants, le fait de pouvoir faire ses propres couleurs soi-même, le fait d'apporter vigueur, soin, force, masse, brillance, volume, tout ce que vous voulez, c'est vraiment génial parce que c'est pas ce qu'on retrouve forcément dans les shampoings habituels qu'on trouve dans le commerce qui nous promettent mondes et merveilles et au final on retrouve rien du tout au final au niveau du résultat. Donc sachez que déjà niveau résultat c'est totalement différent. Quand j'avais les cheveux donc plus courts quand j'ai commencé, ils étaient très foncés, donc ils étaient châtain foncé. Ils étaient à cette longueur-là, ils faisaient des petites vagues, ils étaient très abîmés, très fourchus, très secs, voire rêches. Et là, je constate toute la différence au fil donc des mois et des années. Donc sachez que c'est vraiment, je sais pas, ça change tout. Je veux dire, ça change pas ma vie ni l'univers, mais rien que le fait de savoir qu'on fait du bien à ses cheveux, qu'on fait du bien à son corps et à l'environnement,
ça change tout. Donc je pense que tout simplement, rien que pour ça, ça donne envie de tenter. Donc également, si vous êtes toujours au chimique et que vous voulez tenter les masques hydratants et nourrissants maison, avec du yaourt, de la crème fraîche, avec du miel, de l'aloe vera, vous pouvez toujours tenter, vous verrez ce que ça va donner, sachant qu'en général, ces masques sont très appréciés par tous les types de cheveux. Donc voilà quel est l'intérêt pour moi donc de passer au naturel, parce que vous découvrez vos cheveux tels qu'ils le sont réellement. Donc c'est vraiment pas, je sais pas comment expliquer, c'est pas une couverture, c'est pas voilà de l'artifice, c'est pas pour faire beau, c'est vraiment pour les voir tels qu'ils sont réellement et enfin pallier aux problèmes naturels que vous avez avec vos cheveux. Donc par exemple, si vous avez les cheveux gras, ben, vous allez tenter naturellement d'espacer les shampoings. Donc déjà, ça va être super parce que vous allez en plus de ça y arriver, parce qu'il y a de nombreuses solutions à ce sujet. Vous allez avoir les cheveux qui frisottent, qui sont un peu rebelles, bah voilà, vous allez utiliser tel ou tel actif, tel ou tel produit, et petit à petit, vous allez constater de l'amélioration, du changement. Donc voilà, je pense que tous les types de cheveux peuvent passer au naturel, reste à voir la volonté qui va avec. Il faut vraiment en avoir la volonté, la patience, et vraiment se dire que c'est pour le bien de soi-même et de ses cheveux. Donc évidemment, bon, il n'y a pas que les cheveux, mais comme ma chaîne donc se situe principalement sur les cheveux, donc voilà pourquoi je parle de cheveux. Donc voilà, j'espère que ça ne vous aura pas forcément convaincu, mais vous comprendrez un peu le pourquoi du comment, le fait que ce soit pas débile ou inutile donc de passer au naturel, de mettre de l'argent dans tel ou tel actif, une base lavante. C'est vraiment une façon de voir les choses, une façon de vouloir changer les choses et une façon de vouloir justement constater soi-même comment sont ses cheveux à la base. Donc c'est vraiment un retour aux sources, tout simplement. Et voilà, retrouver sa chevelure d'enfance à la limite. Je veux dire, on abîme tellement nos cheveux qu'au final, on ne sait même plus à quoi ils ressemblaient avant. Et on aimerait bien les retrouver de la qualité donc qu'ils avaient avant. Je veux dire, il y a certaines filles qui avaient des cheveux, qui avaient de très belles boucles, un petit peu blondes quand elles étaient petites. Et après tout ce qu'elles ont fait, bah, se rendre compte que bah, en fait, elles veulent revenir à ça. Donc c'est pas, voilà, c'est pas interdit, c'est pas débile. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc j'espère que ce petit témoignage et ces petites explications vous auront fait plaisir et vous ont fait comprendre un petit peu les choses telles qu'elles sont. Et si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à rajouter un commentaire et à aimer la vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles!